Enfin, il est enfin à moi. Noire comète, du fond de l'univers viens, apporte ta fureur, fais exploser le soleil si fort que pour toujours la nuit sombre éteindra toute lumière sur cette terre immonde. Consuela, qu'est-ce qui se passe ici? Trop tard. Vous arrivez trop tard. Le symbole de la nuit. C'est la fin du monde? Vous ne pourrez l'arrêter. La comète noire est déjà en route. Le soleil est bientôt mort. Pourquoi? Tu es complètement folle! Enfin, je vais pouvoir me promener librement, sans être gênée par ce soleil horrible. Ma pauvre peau si fragile et si douce. J'en peux plus de tes sottises! Sorcière! À mon signal! Maintenant! Consuela, pourquoi tu agis ainsi? Dans un monde sans lumière, tout sombre, je serai la seule à régner et le monde connaîtra enfin notre existence. Tu n'es pas digne de porter l'amulette des sorcières. Pandora, trouve-moi Grimbec. Grimbec, tu n'as pas trouvé mieux. Quoi? Grimbec, on a un code rouge. Dépêche-toi de venir. Oui, oui, j'arrive tout de suite, compris. Eh ben, t'en as mis du temps. Quoi? Je viens à peine... Il y a une traîtresse dans cette salle. Qui ça peut être? Consuela. Je ne lui ai jamais fait confiance. Elle veut tuer le soleil et devenir la plus puissante des sorcières. Grimbec, emmène-la et attends mes instructions. D'accord. Allez, la miss. Ne me touche pas, espèce d'imbécile à chapeau. Regarde bien, c'est la dernière fois que tu vois la reine des sorcières, ma grande. Tu n'es qu'un petit toutou, un lèche-botte. Et vous, vous entendrez encore parler de moi, sorcière du dimanche. C'est l'heure, Consuela. Astra, où en est la comète? Ça ne sent pas bon, je dois dire. À cette vitesse, la comète va atteindre le soleil dans 72 heures. Luna, il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut que ce cercle des cinq soit au complet. Pour espérer pouvoir arrêter ce drame. C'est seulement comme ça qu'on sauvera le monde. Seulement, nous ne sommes plus que quatre. Demandons à l'amulette de nous faire venir une cinquième sorcière. Laissons l'amulette sceller notre sort. C'est vraiment désespérant. C'est clair. Je sais. C'est toi qui auras le rôle. Évidemment que c'est moi, je suis la meilleure danseuse. Cathy n'a aucune chance. Merci, j'ai vu ce que je voulais. Tu es la dernière candidate. Merci à toi. Par ici tout le monde, damoiselle, damoiseau, on se calme, allez. Je vais maintenant vous dire qui jouera le sublime rôle principal de notre magnifique show. T'as aucune chance, je te le dis. Vous êtes tous de véritables stars. Certains d'entre vous sont des étoiles naissantes. D'autres sont plutôt des étoiles filantes. Mais il ne peut y avoir qu'une seule grosse étoile brillante. Et nous savons tous qui c'est. Cathy! Cathy, sors de ton trou. Viens par ici. Bravo Cathy, c'était très bien. Bon, plus de blabla. Nous avons énormément de travail à accomplir. Zou, et donnez-vous à fond. Viola, mon bûcheron. Allez. C'est dingue. J'étais trop sûre que j'aurais pas le rôle. Tu rigoles, c'est carrément mérité. Grave, t'as trop bien dansé. Regarde, merci. Elle a eu le rôle principal du show et direct, elle se la joue grosse diva. Ouais, mais c'est toi qui as eu le rôle l'année dernière.
Eh ben, qu'est-ce que ça change? Ben, ce sera toi la doublure. J'ai une tête à faire la doublure, sérieux? Être deuxième ou dernière, y a aucune différence. Aujourd'hui, je vaux pas mieux que vous. Pourtant, c'est pas pour rien, si je suis votre chef. Chut, elle arrive. Salut, Cathy. Salut, Vera. Loseuse. Mmh, 200 grammes de sucre, John. 200 grammes, oui, chef. C'est parti. Mais... Tu fais quoi, là? Je te fais du sucre. Mais on a du sucre en poudre dans le placard. Celui-là est en poudre, maintenant. Parfait. Ah, 200 grammes. Ouh. Maintenant, il me faut 300 grammes de farine. 300 grammes, oui. C'est tout bon. T'as pris un récipient? Et maintenant? T'es sûr? Oui, j'ai fait ça toute ma vie. Alors tu mixes. Après avoir mis ensemble les œufs et le lait. Je savais que ça allait se produire. Tu ne dois jamais approcher la cuisine. Hé, Cathy! Cathy, fais pas attention au chantier. Ton père a voulu m'aider à faire un gâteau. Ça va, toi? Vous allez jamais me croire, mais j'ai eu le rôle du spectacle. C'est vrai? Oh, c'est fantastique! Oh, ça, c'est ma fille. Bien joué, bravo! Ouais, mais je connais pas encore bien le rôle. Je serai peut-être jamais prête pour la première. Arrête, tu seras parfaite, j'en suis sûre. Oui, il te faut juste un peu de feeling et d'entraînement. Ouais. Laisse-moi te faire une démonstration. Oh, regarde, allez, regarde, la danse, ça part toujours des hanches. Tu vois, comme ça, là, tu le sens. Après, t'envoies un moonwalk, comme ça, puis tu attrapes ta mère. Oh, John! Il y a rien de plus simple. Tout ce qu'il faut, c'est que tu sois... Tu es un désastre. J'étais dans le rythme. Bon, merci, pas. Maintenant, je sais ce qu'il faut pas faire. Oui, mais c'est parce que le sol est glissant. Et ta mère était pas très coopérative. Oh. Ça ne m'arrive jamais d'habitude. Tu me connais. Moi, j'ai le rythme dans la peau. Et... Vous faites un gâteau d'anniversaire? Non, non, pas du tout. C'est... Non. C'est rien. On faisait rien. On nettoie. À la fraise? Au chocolat. Au chocolat. Oh. Alors, Consuela, est-ce que ta nouvelle maison te plaît? C'est pas aussi classe que tu en as l'habitude, mais c'est chez toi maintenant, jusqu'à la fin de ta longue vie. Comment peux-tu supporter d'être le toutou de ces sorcières? Tu vas passer tous les jours de ta vie ici, emprisonné. Le truc, c'est que tu peux voir le monde à travers les miroirs. Mais par contre, il t'est impossible de les traverser, malheureusement. Pour le dire autrement, tu n'as aucune chance de pouvoir t'enfuir d'ici. Dès que la comète aura fait son travail, je partirai de là. Et ce sera toi le premier à subir ma colère, tu verras. Continue de rêver si ça t'amuse. En attendant, je te souhaite bien du plaisir. Et à jamais. C'était un plaisir. Adieu. À ce qu'il paraît, t'organises une fête ce soir? Ouais, c'est mon anniv. Et t'as pas pensé à m'inviter? On n'est pas franchement super amis, tu vois. Comment tu peux oser dire ça? Je serais trop contente de venir, ça va être génial. Oui, tout le monde est bienvenu. Ouais, en fait, non, j'ai d'autres plans pour la soirée. Nike, t'es ça? Ah, c'est trop dégoûtant. Oh, mais où est Cathy? Elle a dû oublier qu'on la répète, mais je peux la remplacer. Non, ça ne va pas du tout. Oh, Cathy! Tu fais déjà ta diva ou je rêve, là? Non, on a mis un truc dans mes chaussures. Pas d'excuses. La prochaine fois, tu seras à l'heure. Allez, hop, à ta place. Tous à vos places. Vera derrière, s'il te plaît. Vous aussi derrière. Ah. Allez, on commence. 1, 2, 3, 4. Bon. Précisément, c'est quoi le problème de votre enfant? Ben, par exemple...
Quand Cathy avait 3 ans à peu près, elle a commencé à tousser. Eh bien, tout le monde tousse, il me semble. Oui, mais nous, ça ne fait pas léviter notre bol. C'est un phénomène très normal. Une toux expulse de l'air jusqu'à 200 km par heure. C'est comparable à un sacré coup de vent. Vous n'avez pas compris? Non. Tu te souviens quand elle avait le hockey? Mm-hmm. Ça éteignait les lumières et la télévision. Toujours au moment de mon émission préférée. La météo. Oui, je ratais les éphémérides. C'est normal, ça, docteur? Non, je pense qu'il n'y a plus d'électricien compétent dans ce pays et c'est un vrai problème. J'ai dû tout refaire dans ma maison de campagne. Brrr, quand on voit combien il charge. Un autre exemple. Quand j'étais installée sur mon sofa, Cathy dessinait. Bon exemple. Oui. Du coin de l'œil, je la regardais attraper un crayon. Mais sa main n'attrapait rien, rien du tout. C'est le crayon qui roulait jusque dans sa paume. C'est impossible. Mais pratique. Bien, je crois que j'ai mis le doigt sur votre problème. C'est très clair. Bien, votre fille est en parfaite santé. Mais si vous voyez que ça revient, n'hésitez pas à aller visiter mon collègue. Ophtalmologiste? Pour Cathy? Non, pour ses parents. Il a justement une offre très intéressante. 2 lunettes pour le prix d'1. Bonne journée, portez-vous bien. Oui, vous aussi, merci. Bonjour merci, chez vous. Mais docteur, Bonne journée. Mes amitiés à votre fille, bonjour chez vous. La porte est derrière. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Oui, comment vous présenter ça? Est-ce que je serai premier au top 50? Pour 150 euros, je vous prédis votre avenir. En liquide, uniquement. Ok. Je vois des collants jaunes. Ça y est, embrasse un crapaud sur les fesses et avant de dormir, il faut que tu mettes un poster de Dave sous ton oreiller. J'embrasse le cul d'un crapaud et je suis premier? Oui, tu embrasses un crapaud sur les fesses et tu seras premier. Bon. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Yeah. Ah, ne chante jamais en dehors de ta salle de bain. Ouais, au moins il est pas trop moche. Ils sont affalés sur mon canapé. Je leur ai interdit 100 fois au moins. Félix, Rex, descendez de ce canapé, vite! Je dois sortir de cet endroit! J'ai failli l'oublier, mon calepin de sort magique. J'ai vu le spectacle de Beyoncé, c'était vraiment trop génial. Quoi? J'ai vu le dernier spectacle de Beyoncé. Quoi? Désolée, j'entends rien. Vous pouvez baisser le son? Hey, c'est quoi ce délire? Drôle de coïncidence. Y aura qui ce soir? La famille et quelques copains. Y aura ton oncle fou? Qui, Rinus? Ouais, il sera là. Oh, il regarde ça. Quoi? Il est super beau. Mais bon, j'ai plus un rond. Laisse tomber. Cathy, attends. Je vais rentrer plus tôt, en fait. J'ai pas fait mes devoirs. Mais tu viens quand même à la fête? Sûr. Ok. Salut. Salut. Pendentif en argent pur, très belle pierre. C'est certainement une tourmaline. 10 euros. Madame! Une seconde, jeune homme. Tu vois bien que je suis occupée en ce moment. Mais je veux l'acheter, moi aussi. C'est un cadeau pour mon ami. Eh bien, désolée pour ton ami. Maintenant, c'est le mien. En route, précieuse. Et vous, jeune homme, y a-t-il quelque chose que vous désirez? Je prends ce truc-là.
Voudriez-vous un paquet? Est-ce que c'est pour offrir? Non, c'est bon. Merci. Allez, viens, précieuse. Rentrons à la maison te préparer une belle tranche de foie. Et pour maman aussi. Pour pouvoir traverser un miroir ou une fenêtre magique, vous aurez besoin de tous ces ingrédients. 3 poils de chat. 2 miroirs magiques. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faudra? Le mouchoir sale d'une octogénaire. Et un verre de sueur de sumo sale. Un sumo sale. Ça marchera peut-être. Attends, je relis, c'est ça. Mon gros Félix, Félix. Viens là, mon gros sumo sale. Descends tout de suite! Et là, dis, docteur, à chaque fois que je bois du café, j'ai toujours mal aux deux yeux. Alors le docteur, il lui dit, vous devriez enlever la cuillère d'abord. Ne mange pas la cuillère. Ne rigole pas. C'est ta famille. Il m'a raconté cette blague 1 million de fois au moins. Allez, c'est l'heure des cadeaux. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Celui-là... Ah, c'est le cadeau de Roy. Yeah! Bien joué, Fiston. Super. C'est très gentil. Merci. Je sais pas si ça va te plaire. J'ai trouvé que ça, en fait. Trop beau! C'est magnifique, Roy, bravo! Merci. T'as pris le pendentif? T'as du goût, fiston, bravo! Ouais, mais garde bien, Glenn, prends-en de la graine! Il faut que tu sois patiente un peu! Et ça fait seulement 8 ans qu'on est ensemble! Et, alors, c'est l'histoire d'un jeune qui part faire du ski! D'humain à animal! D'animal à humain! Soyez humains, vous deux! Et obéissez à tous mes désirs. Quand je le dirai, vous deviendrez humain. Qu'est-ce qui se passe? T'es très moche. Et tu sens pas bon du tout. Tu cherches les problèmes? C'est ça. Il est énervé, le toutou. Là, tu me cherches. Ça suffit. Vous me fatiguez. C'est moi qui commande. Alors, quand je parle, vous m'écoutez. J'ai une mission pour vous deux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et pipip. Hourra. Et pipip. Hourra. Et pipip. Hourra. Jusqu'où ira notre petite Cathy? Tout en haut! Allez, ma puce, souffle ta bougie! Allez, attention! Ça y est, c'est le signe! Une nouvelle sorcière est enfin arrivée! Enfin! J'ai cru que ça n'arriverait pas! Trouve-moi vite où elle demeure! Je ne trouve pas l'adresse exacte. Je crois que... Il me semble qu'elle vit dans le 7e cadran. Champagne! Ouais. La sorcière doit utiliser son pouvoir une première fois avant qu'on puisse la localiser. Luna, est-ce que Grimbeck répond? Grimbeck? Oui? L'amulette a trouvé sa destination. Elle est quelque part dans le 7e cadran, dans l'ouest du monde. C'est la moitié de la planète, ça. T'as pas plus précis à me donner? On essaye de centrer les recherches. De ton côté, essaye de la trouver. Grimbeck. Oui? N'attire pas l'attention. On ne peut pas créer la panique dans le monde normal. Message reçu, j'ai compris. Cathy,
Oui? Ça va en ce moment? Oui, pourquoi tu demandes? Bah, je sais pas, on dirait que t'es devenue bizarre tout d'un coup. Ouais, j'ai eu un petit coup de fatigue. J'ai eu une sensation étrange, je sais pas comment dire. Mais le pendentif est vraiment super. C'est trop gentil, merci. Ouais, à propos du collier, c'est super bizarre parce que... Ah, Roy, te voilà. Je te ramène chez toi. Ça va? Ouais. À tout de suite. On se reparle demain. Ouais. Salut. Salut. À demain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, officier. Vous savez à combien vous rouliez? Je suis sûr que vous allez me le dire, je me trompe. Vous alliez à 90 km/h, 40 km au-dessus de la limite. C'est une zone urbaine ici, monsieur. Ah bon? Je vous verbalise. Et l'amende va être très salée. Salée comme une morue du Portugal. Tenez. Ça. C'est à régler au plus vite. Une fois. Que devez-vous trouver pour moi? Le mouchoir sale. D'une octogénaire. Et un verre de sueur de Rex. Rex. Réponds. Allez, réponds. Ça va, attends, ça arrive. D'un sumo. Oh oui. D'un sumo, oui, comment? C'est la sueur d'un sumo. Allez, réfléchis. Oh. Allez. Attends, je sais. De je la sais. Sueur de sumo sale. Reprends-toi. Bon, très bien. Félix, tu seras la tête pensante. D'accord. C'est clair maintenant? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Allez. Viens. Oh. C'est bien parce que j'ai pas le choix. Elle est dégueu, ta chambre. Ouais. Si je nettoie pas, ma mère me laissera pas sortir. J'ai trop la flemme. Ben, va falloir que tu t'y mettes pour tout ranger. Ouais, bah attends-moi en bas, j'arrive. Dépêche-toi, faut qu'on aille à la répète. Ouais. Non, non. Je te l'ai dit 100 fois. Un puzzle, ça se commence par les coins. Et ensuite, tu cherches en t'aidant des couleurs. C'est la dernière fois que je te le dis. J'en ai marre, moi. Et je fais quoi, là, à ton avis? Je sais pas ce que tu fais, mon pote. J'ai jamais compris ta technique. Regarde. Tout est absolument sous contrôle. Je contrôle tout, comme toujours. Sous contrôle? T'as mélangé les coins, déjà. Hé, hey, Roy. Hey. Cathy n'est pas prête, hein? Toujours pas. Reste un peu avec nous, alors. Je crois qu'ils ont bien besoin d'un peu d'aide. Hey Roy, t'as de la chance aujourd'hui. Avec Glenn, on vient de commencer un puzzle tout neuf. Et celui-là, c'est pas de la rigolade. Un puzzle? Super. C'est marrant. Ouais, c'est ouais, très c'est divertissant. Fun. Hein, et ouais. Celui-là a 2000 morceaux, tu m'entends? 2000 pièces. C'est pour les vrais de vrais. 2000 pièces? Hey, il m'a appelé hier, on était en pleine nuit. J'avais un petit business à faire, j'étais debout, mais il m'a fait venir ici. Il pleurait comme un bébé. Et si j'étais pas venu, cet homme aurait passé la nuit sur son puzzle. Et quand il s'est couché, je l'ai entendu compter les pièces tout en dormant. Tu comprends rien au monde du puzzle. Est-ce que je peux... Oui, mais tu fais très attention, tu es un amateur. Et ça, c'est pour les professionnels. Tu prends pièce par pièce. Professionnel, c'est pas de rigolade. Professionnel? Et il n'y a qu'un professionnel dans cette maison. J'aimerais que ça se range tout seul. Écoute bien, je ne vais pas te le répéter. De tous les puzzles qu'on a pu faire ensemble, j'ai fait 80% du boulot. Ah ouais? Peut-être, mais sans mes 20%, tu pourrais jamais les finir. Donc t'as besoin de moi. Fini? Je vais voir si Cathy est prête.
Ça c'est de la chance du débutant. To the left, off you got me, and on the side of her, when he was falling. T'es prête ou quoi? Ouais, je finirai en rentrant. Tu veux savoir la meilleure? J'ai fini le puzzle. Il a tué de vert de rage. Roy, tu viens, oui? Hein? Je reçois une activité magique. Alors dis-moi où elle est. Quelque part ici. J'ai 7. Dans un rayon de 5 km. C'est à Quispledam. Grimbeck doit se trouver juste à côté. Où en est-il d'ailleurs dans ses investigations? Allô? Cher Grimbeck, tes recherches sont fructueuses? Je suis très occupé là. Je parcours tous les quartiers dans toutes les rues et j'ai encore rien trouvé. Voilà. Je me donne à fond. On a du nouveau. L'amulette est à Quispledam. Dépêche-toi. Je pars tout de suite. Je suis parti. Un mouchoir sale, je connais rien de plus dégoûtant que ça, mon vieux. Et je dois en trouver un. Hé, hey, regarde ce qui vient. Qu'est-ce qu'elle est canon? Rex, tes manières. Mais regarde-la un peu! Non mais tu te calmes tout de suite! On doit trouver ce foutu mouchoir! Et désolé, il me faut son numéro! Ça va mal se terminer. Mademoiselle, nous prenons... Je pourrais avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît! Ça va pas, non? Ah, non, pas pour vous, pour votre chienne, s'il vous plaît! Espèce de tétraqué! Viens, idiot! Cathy, tu vas jamais me croire, mais tout à l'heure, quand je suis montée dans ta chambre, j'ai vu un nounours qui flottait. Un nounours flottant? T'es sûre que ça va? T'as assez dormi cette nuit? Mais je te jure que c'est vrai. Je pense que t'as besoin de lunettes, comme mes parents. Ces promenades ne m'amusent plus. Il pleut tous les jours maintenant, j'ai plus de visite. Même pas la famille. C'est pas de chance. Et j'ai des souris dans ma cuisine. Des souris? Oui, grosses comme mon poing. Et évidemment, le concierge ne fait absolument rien du tout. Je les aurai, ces fichues vermines, elles peuvent compter dessus. Oh, mon cœur! Tenez. Merci, charmant jeune homme. Je vous en prie. Vieillir, ce n'est pas facile. Pas évident du tout. Non. Et c'est un peu plus dur chaque jour. Je voudrais qu'elle soit jeune pour toujours. Ça leur changerait la vie, c'est sûr. Je ne sais pas ce qui se passe, Hilda, mais... Mon traitement semble enfin fonctionner. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Regardez donc qui voilà, j'ai l'impression qu'on se connaît. Malheureusement, vous arrivez trop tard. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un parking gratuit. Vous voyez le panneau bleu là-bas? Ça veut dire que ce parking est une zone bleue. Est-ce que vous possédez la vignette bleue pour vous garer dans les parkings bleus? Non, je ne crois pas. Donc en échange, je vous mets un sabot jaune. Une zone bleue? Un sabot jaune? Oui. Je parie que vous avez un sifflet. Plutôt passionnante votre vie. Vous avez un diplôme pour ça, hein? Monsieur, je vous donne votre contravention. Vous devez la payer au poste de police, c'est à une petite demi-heure à pied. Vous avez les chaussures pour ça? Très bonne journée. Na 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 na. Na 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 na. Tu vois celle-là? Elle a au moins 80 ans. Mais comment tu connais son âge? Ah, fais seulement ce que je te dis.
moi. Je les occupe. Mais toi, doucement, tu te glisses derrière et tu fouilles le sac de la vieille. T'as compris? Oui. T'en es sûr? Mais maintenant... Et je te surveille, fais gaffe. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous demander quelque chose? Est-ce que vous auriez vu Vous me cachez le soleil, jeune homme. Poussez-vous donc un peu. Désolé, bien sûr. Ouais. Puis-je vous poser C'est à moi que vous cachez le soleil maintenant. Allez, enfin, mais mademoiselle, le soleil, je le vois d'ici. Il n'est caché de personne, oui, vous bon, savez. Allez, posez-la votre question. Mais dépêchez-vous un peu, jeune homme. On voudrait profiter de notre journée. Avez-vous vu... passer mon chien? À quoi ressemble-t-il, votre chien? Petit. Assez moche. Et il n'écoute pas ce qu'on dit. Je crois qu'on peut dire que c'est un imbécile. Et te vole ton sac! Sauvez-vous, c'est enfui avec ton sac! Attrape-le! C'est impossible! Comment elle font pour... Alors, comment tu te sens? Regarde un peu. Allez, debout, on y va. Hop, 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 debout, hop, 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 hop. Oh, désolé, Solara, je n'ai fait aucun progrès dans ma recherche. Mais je t'ai donné les coordonnées. C'est une question de vie ou de mort au boulot. Mais j'ai la police contre moi. Pas d'excuses, Grimbec. Message compris. Non, c'est gentil, Rex. C'est ta tasse. C'est à toi de prendre la sueur de ce bouche. Allez, hop, papa. Ils ont l'air méchants comme ça, mais c'est de vrais agneaux, je te promets. Allez, allez. Désolé de vous déranger. Je voudrais vous demander un verre de votre sueur. C'est pas la mer à boire. Allez, gâteau. Félix, aide-moi, Félix. Allez, t'es plus costaud que ça. Bats-toi un peu. Mets la gomme. Tu peux le faire. Félix, au secours. Allez, debout. Félix, aide-moi, s'il te plaît. Ah non. Allez, montre-leur un peu. T'es content d'être un loser? Regarde, ça t'a servi à rien de te faire frapper. Oui, c'est pas une blague. Il y a de la sueur partout sur ces vieux chiffons. Oui. Arrête de sentir leur culotte. Allez, debout, debout. Sayonara. Viens voir grand-mère. Oh, attends, il y a mon phone tel qui sonne. Ouais, grosse.
Plus tard. Non, je peux pas, là. Je suis en plein street basket avec mon gang. On répète ce soir et on n'est pas encore prêt. Ouais, je suis pas prête encore. Le bus, attention! Wow, trop cool! Comment t'as fait ça? Qui te dit que c'était moi? Allez, Cathy, je t'ai vu. Tu crois que d'autres gens m'ont vu aussi? Non, et regardez tous le bus. C'est pas normal, j'appelle police secours. La police? Je veux pas qu'ils sachent que c'est moi. Allô? Viens, Roy, j'ai vu deux vieilles femmes au parc tout à l'heure qui s'amusaient. Désolée, Grimbeck, mais j'ai pas du tout envie d'écouter des histoires. Écoute-moi bien. On a capté une énorme activité magique. Elle vient d'un endroit où... Allô? Grimbeck, allô? Allô? J'entends rien. Et on perd la connexion à un moment crucial. Attends un peu. On dirait que tout le réseau de Quispledam est interrompu. Je vois. Donc d'abord, on voit une activité magique, et après tout le quartier, soudainement, a un problème de réseau. Je pense malheureusement que l'amulette a choisi une sorcière méchante. Allô, Astra? Mon téléphone ne marche pas. Essaye le tien pour voir. Mais comment t'as fait tout ça? Bah en fait, je sais pas trop. Il se passe toujours des trucs bizarres, mais à chaque fois, c'est différent. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par des trucs bizarres? Tu le répètes pas à personne, ok? Tu me connais, je suis ton amie. Bon. Parfois, tu sais, quand je passe devant la télé, eh ben, elle s'allume toute seule. Allez, Cathy, arrête de te moquer de moi. Quelqu'un d'autre se sert de la télécommande, voilà tout. C'est logique. J'étais seule à la maison, c'était pas logique du tout. T'es vraiment sûre? La semaine dernière, la lampe s'est cassée, alors j'ai pris l'ampoule et elle s'est allumée dans ma main. C'est trop cool, ça. Sur YouTube, j'ai vu un mec qui faisait ça, mais c'était truqué. T'es peut-être une super-héros? J'en sais rien. T'as quoi d'autre comme pouvoir? Sérieux? Je vais te montrer. Super! Mieux pas le savoir, mais là-dedans, il y a de la sueur de sumo, un demi-verre. Qu'est-ce que je fais de ça? Prenez une bouteille et essorez-moi ce truc. Rex, oh. Bouteille. Oh. Oh. N'oubliez pas le mouchoir. Le mouchoir de l'octogénaire. Allez, donne. Donne-moi ça, plus vite.
Poil de chat maintenant. Ça devrait m'aider à passer le miroir. Très bien. Ça donne pas envie, mais je dois le boire. Ça a fonctionné, enfin! Qu'est-ce que vous faites là? Enlevez cette chose de mon canapé! Rex, vous voulez salir ma robe? Rex, tu veux quand même pas salir sa robe? Allez, pousse-toi! Et faites-moi un thé! Vas-y! Et c'est bien! Votre thé! Tu peux passer la deuxième? Dégage de mon chemin! On n'a pas toute la journée! Enlève le frein à main! Retourne vivre chez ta mère, loser! Loser! T'as vu la tête du mec? Il a rien remarqué du tout. Hé, tu peux allumer des ampoules, pas vrai? Essaie d'allumer celle-ci. Je peux essayer. Ça marche pas, on dirait. Bah, essaie encore. Waouh! Trop bizarre! Ça sent pas bon, ça. Dans ta face, espèce de nul! Consuela, il est 2h30 et il fait déjà nuit. Oui, je vais te croire. Il a raison, il fait très sombre. Hein? Comment c'est possible? Il est 14h30. Mais c'est bizarre. Il fait sombre. Mon plan fonctionne. La comète noire occulte le soleil. Ces idiotes de sorcières pensaient vraiment pouvoir me stopper. Félix, Rex, allez chercher ma limousine. Puisqu'il n'y a plus de lumière, je peux sortir. Fais de ton mieux. Et... c'est enfin mon moment. Je vais en profiter. Prêt, débutant. Qu'est-ce que tu fais maintenant assis à côté de moi? Qui t'a laissé croire que tu peux te mettre ici? Sors de là! Allez, en route! Niveau 5 sur l'échelle de Wicca? Niveau 5? Mais c'est impossible! C'est la fatalité de Consuela. Oh, ça se présente mal. Où est Grimbec? Il faut que je réponde absolument. Oui. Niveau 5? Où ça? Oui, j'arrive, j'arrive! Hé, hey, faut payer, hein? J'ai pas le temps pour ces bêtises! Oui!
Je vous paie la prochaine fois. Et vous oubliez ce qui suit. Sortez d'ici, espèce de pervers! Mais désolé, madame, ce n'était pas mon intention de rentrer. Ne me touchez pas! Oui, c'est ça! C'est ce que disent tous les gros dégoûtants! Non, 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 je ne suis pas comme ça! Bon, sortez d'ici! Mais je me suis juste trompé de miroir! Je me suis trompé de miroir! Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça sent mauvais. Toi, la poupée, avant que le monde entier se mette à paniquer. Quelle est la situation dehors? Il fait nuit et on est encore loin de la soirée. C'est très bizarre. Autant amusé depuis des années. T'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est horrible! Non mais regarde-les se battre! Il faut que tu remettes la lumière. Mais comment? Mais tu fais mal là! Je sais pas quoi faire! Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Bah, essaie quelque chose! D'accord. Ça marche pas! Cassez-vous! Bah, essaie encore! D'accord. Regarde, là-haut. Viens, on s'en va. Quoi? Le soleil? Le soleil est là? Ma peau ne le supporte pas. Vite, on rentre. Dépêche-toi! On a perdu le signal, Grimbec. Oui, je pense que la sorcière vient de monter dans le tram. Ah, j'étais tout prêt! Oui, c'est bizarre, le jour est revenu maintenant. C'était elle, j'en suis certain! Donc la comète n'a pas frappé le soleil, mais il a fait nuit sur tout Quispeldam. Ça colle avec l'activité magique qu'on a observée. Ça ne peut vouloir dire que deux choses. Ou bien elle est méchante, ou elle est gentille et elle ne contrôle pas ses pouvoirs. C'est bon, on peut y aller. Est-ce que tu l'as amenée? Oui, mais je sais pas si donne-la c'est vraiment une... Bon, toi tu fais le guet, d'accord? Et nous on s'en occupe. Mais, et si Jean-Pierre arrive d'un coup? Bah tu lui parles. Ouais, mais pour lui dire quoi? T'improviseras, boulet. C'est bon, c'est bon. L'éclipse a eu lieu entre 14h30 et 15h dans le seul quartier. Quelle de histoire, quand même. On a je regrette de t'avoir demandé. De panique, alors même que le réseau j'y suis pour rien. A été interrompu pendant plusieurs minutes. Étrangement, l'éclipse n'était visible que dans quelques rues de Quispeldam. Alors que dans non. quelques pâtés de maisons aux alentours. Seulement ici. Vous voulez boire quelque chose? C'était à Quispeldam? J'ai pas envie de regarder. Cathy, faut qu'on y aille. Au cours de danse. Allez, dépêche-toi un peu. Je fais ce que je peux. Oh, bonjour, Nikke. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ce soir ton cours de danse? J'ai oublié mon pull, en fait. Oh, ton joli pull bleu. Il faut être très prudent avec ses affaires. Les belles choses attirent les indélicats, surtout quand c'est du jacquard. Est-ce qu'il est resté dans la salle? Non, 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 j'ai déjà regardé. Oh, eh bien, je vais regarder les objets trouvés pour toi. C'est gentil, Jean-Pierre. Allez! J'ai pas réussi à te le dire, mais...
Quoi? Je t'ai jamais acheté le collier. Comment ça? Celui-là? Ouais. Je voulais le prendre, mais une vieille dame l'a acheté avant moi. Oui, mais... Moi, j'ai juste acheté la boîte. Comment le collier est arrivé dedans, alors? C'est justement le truc que j'arrive pas du tout à comprendre. C'est vraiment super bizarre. Pourquoi moi? Ça va être trop marrant. C'est exactement là où Cathy va danser. Attention, la danse. Mais... Elle va pas se faire mal? Non, bien sûr que non. Plus fort! Non, il n'est pas ici. Je le vois pas, ma chérie. Je vais aller voir dans la salle, c'est... pour être sûre. Est-ce que vous avez regardé dans la boîte? Ah non, effectivement. Dépêchez-vous, Jean-Pierre. Prends la bouteille, vite, dépêche-toi. Oh non, il n'y est pas non plus. Je vais voir dans la salle quand même. Allez, pas de problème, hein? Non, je me souviens. Je l'ai oublié chez Vera, l'autre soir. J'adore ce t-shirt-là. Oh, merci, je l'ai acheté hier au centre-ville. Et bon alors, ma chérie, retourne dans ta maison tout de suite. J'ai du travail, beaucoup de travail, et on se voit ce soir. Oh. Oh, une vraie tête de linotte. Mais avec un goût prononcé pour le fashion. Oh. Non. Il faut que je comprenne d'où est venue cette éclipse. Peut-être que le miroir pourra m'aider. Oh. There's a place for us. Somewhere a place for us. Peace and quiet. Comment ça peut m'aider? Tuesday. Félix! Ça suffit, stop! Je suis désolé. Est-ce que tu peux être ennuyeux? Attention, mesdames et messieurs, voici enfin venue l'heure de la grande répétition! J'attends de chacun qu'il connaisse sa chorégraphie. Cathy? T'inquiète, ça va glisser. Allez, commençons. Cathy, j'ai besoin d'espace. Décale-toi à gauche. Et... Action! Non, Cathy! Qu'est-ce qui te prend? Oh, les enfants, reculez! J'ai parfaitement la situation en main! Cathy, ça va? Oui. Oh, ma pauvre, ça a dû te faire mal à la cheville. T'es pas très douée. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mon amulette? C'est carrément plus du tout à la mode. Rends-le. Vraiment? Attends, je vais le rendre plus joli d'abord. Dégage! Oh, wow. Hey, allô? Oh, aidez-moi! Pourquoi vous m'aidez pas? Tu peux la descendre de là? Elle finira par tomber toute seule. Alors laisse-la un peu transpirer. Aidez-moi! J'ai le vertige. Oh, Véra! Si c'était la nouvelle sorcière, et que le cercle des cinq soit à nouveau complet, alors elle pourrait arrêter mon plan. Je dois aller là-bas, tout de suite. Aucun problème, Solara. Avec moi, tout est sous contrôle. Ah, nous revoilà, monsieur. On a du mal à apprendre. On n'aime pas trop suivre les règles. Monsieur... Et vous n'avez pas un boulot? Parce que moi, j'en ai un. J'ai une idée. Je vous arrête et je vous embarque au poste. Alors tournez-vous que je fasse mon boulot. Désolé, Solara, mais j'ai pas le choix.
chez vous, ça. Monsieur, on a du travail ici. MAE. MAE, c'est quoi ça? Ministère des Affaires étrangères. J'enquête sur l'affaire. Je peux revoir votre insigne? T'as entendu? Ouais. Le ministère des Affaires étrangères. Si c'est vrai, il est venu pour te prendre. Il faut qu'on s'enfuit. Ils vont m'accuser de tous les problèmes. Viens. Qui a fait ça, monsieur? Oh, c'est horrible! C'est tellement horrible! Oui, c'est horrible, j'ai compris. Mais dites-moi, qui a fait ça? C'est un véritable drame, une catastrophe! Oui, c'est affreux, c'est terrible. Mais dites-moi, qui a fait ça? C'est un film d'horreur! Oh non! Maintenant, j'ai la preuve que c'est la sorcière. C'est forcément un de ses enfants. Enfin, ça y est, on verra. Je ne pense pas que ce soit elle, la sorcière. Est-ce qu'elle porte l'amulette? Oui, je vais vérifier. Tu veux qu'on te ramène chez toi? Ça va pas, non? Hors de question, mes copines vont me ramener à la maison. Bonjour. Je peux ne voir me touchez pas, s'il vous plaît, d'accord? J'ai eu une expérience traumatisante. Je suis pas d'humeur. Tessa, Nick, on se tire d'ici. Ce chafouin de Grimbeck. C'était trop flippant. J'ai rien compris, mais c'est trop bizarre. C'est toujours quand Cathy est dans le coin qu'il se passe des trucs. J'en croyais pas mes yeux. Elle peut faire des trucs que nous, on peut pas. Elle est trop bizarre. Vous savez quoi? Elle irait mieux dans un cirque que dans une comédie musicale. Est-ce que ça fait mal? Oui, un peu. Et ici? Je vois. Bien. La cheville est sévèrement tordue. Du repos. Et un minimum de marche. Mais est-ce que je pourrais danser? Elle a un spectacle de danse, demain. Elle est vraiment très douée. Elle danse extrêmement bien. Elle tient de moi. J'ai eu mon heure de gloire. J'ai dansé avec Dave. John! Tu es danseuse? C'est hors de question. Mais ça, c'est pas possible. Est-ce que cette petite garce l'a cachée? Maman? Hypnose! Où est l'amulette? L'amulette? Ah! Stupide idiote! Amulette! En forme d'étoile, amulette! Amulette? Cathy a un collier en étoile. L'amulette est sur Cathy. Cathy m'a jeté au plafond. Je vais me venger. Hein? Cathy t'a jeté? C'est elle, la sorcière? Cathy est trop bizarre et c'est une loseuse. Ouais. Où est-ce que je peux la trouver? Vera, est-ce que ça va? Debout, allez. Tu vas être en retard à l'école. Qui est cette Cathy? Celle au fond. Très bien, Cathy. À nous deux, petite peste. Sorcière. Je crois qu'il faut prendre une mesure extrême. Nous allons devoir arrêter la comète noire nous-mêmes. Mais si on fait ça, ça nous coûtera à toute la vie. Nous avons toutes prêté un serment, Luna. C'est prêt. Bon, mesdames, vos amulettes. Oh!
c'est cette écolière, la nouvelle sorcière. Nous devons l'attraper avant Grimbeck le fourbe. Faut l'attraper avant Grimbeck le fourbe. À quoi elle ressemble? Tu viens juste de la voir. Oh. Et tu viens juste de la voir. J'ai un perroquet maintenant. Où est-ce que cette pièce a un écho? Écoutez, il nous faut l'amulette. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous partez tout de suite et j'aurai un œil sur vous. Pas de bêtises. Hop. Hop, hop. Viens avec moi. Vous n'oubliez rien? Je réfléchirai en chemin. La photo. Rex. Donne-la-moi. Allez, viens, Rex. Hop. Viens, viens. Regardez comme cette cinglée a l'air pathétique. Aïe, ça doit faire mal, ce vilain bobo. Elle va pas pouvoir danser. Mais oh, oups, c'est demain le spectacle. Lâche-la un peu, tu veux? Laisse tomber. Bien, les enfants. Nous allons continuer avec vos exposés. C'est ton tour, Vera, je crois. Ouf, oups, désolée. Je t'ai pas fait mal, j'espère. Vera, de quoi parle ton exposé? Quel en est le sujet? Eh bien, il parle de moi, bien sûr. C'est un choix un peu étrange, mais on t'écoute. Merci bien. Peu de gens ont les moyens de devenir stars de comédie musicale. Il faut savoir très bien danser. Et aussi pouvoir chanter en même temps. J'ai donc été choisie pour le premier rôle du spectacle de l'école. Et pourquoi on t'a choisie, Vera? Eh ben, c'est carrément évident. Je n'ai absolument aucun défaut. Mes cheveux, mon style, tout est vraiment parfait chez moi. La presse va sûrement venir. Ne soyez pas surpris de lire demain qu'ils ont trouvé la nouvelle star du showbiz avec une voix exceptionnelle. Wow. Donc je vous attends tous. Venez m'admirer et m'applaudir. Bien, Vera, c'était un superbe exposé. Merci beaucoup. De rien. Mais quoi? Qu'est-ce que super exposé. Merci bien. T'es super, reste comme t'es. Laisse-moi parler, tu sais pas faire. Ton badge. Si on te parle, tu donnes ton badge. Oh, un badge d'inspecteur de collège. Cool, j'en ai toujours voulu un. Eh ben voilà. Eh, bonjour. Inspection du collège. Je cherche de toute urgence cette fille-là. Désolée, mais j'ai pas le droit de parler aux étrangers. Si vous avez une question, allez demander à ma mère ou au directeur. Oh. C'est toi qui t'as, les ados. Ah non, mais je te jure. Bonjour, jeune homme. Inspection du collège. On a un besoin urgent de trouver cette jeune fille-là. Ouais, je l'ai vue, je... Ah ouais? Et où ça? Là-bas. Dans la classe de bio. Bien, mon gars. Merci. Super sympa. Il faut qu'on parte, ça y est, ils te recherchent. Hein? Qui? Deux mecs bizarres, ils ont une photo de toi. Il nous a envoyés dans la mauvaise direction. C'est une impasse. Et pourtant, il avait l'air cool. Vraiment? Ouais. Qui me cherche? Deux mecs bizarres, je sais pas. C'est elle. En fauteuil roulant. Vitreuil! Oh mince, on est foutu! Je te porte, debout! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Cool! Ouais, ils arrivent! Là-bas! Oh, vite! Poussez-vous, non mais poussez-vous! Allez, Rex! Ils sont trop rapides! J'ai une idée! C'est pas vrai!
Oh, désolé, Cathy, dépêche. Désolé. L'amulette. Où ils sont passés? Ils sont là. Cathy, attends. Cathy, fais quelque chose. Ils étaient là. Eh, regarde ça. Oh, pourquoi tu m'as tapé, hein? Mais j'ai rien fait du tout. À mon tour. Les saloupions. Allez, lève-toi, debout. Debout. Faites attention. Hein, vous nous voyez? Bah évidemment. Et on n'est plus invisible. Je t'avais dit de te jeter sur eux. Pas sur le sol, idiot. J'étais moi, sur je eux. Vais par là, toi tu vas par là. Où par là? Et c'est où par là? Et par là? Regarde mon doigt, triple but. Arrête c'est de me crier de m'être si bête. Assez, stop. Ne me touche pas. Le bébé. Waouh, Cathy. Super cool. Qu'est-ce qu'ils sont? Là. Par là. Quelle incroyable puissance. Ils arrivent. Cours, t'arrêtes pas, je sais. Suis-moi. Forcément un rapport avec tes pouvoirs. Ils sont là. Vite, vite. Roy. Lâchez-moi. Laissez-le. T'es coincé, mamselle. Lâchez-moi. Donne-moi l'amulette. L'amulette? Allez, donne-moi l'amulette et je le lâche. Et attention, pas de coup tordu, hein. Donne-moi ça. Lui donne pas, Cathy, va-t'en. Tais-toi. Cathy, tes pouvoirs. Attends, attends. Ces deux-là sont les hommes de Consuela. Ils veulent ton amulette. Qui est Consuela? Ouais, et vous, vous êtes qui? Je m'appelle Grimbeck, le gardien de l'arène des sorcières. Et Consuela... Consuela est une affreuse sorcière. Une sorcière?
Ça n'existe pas, les sorcières. Cathy, tu as vraiment des doutes après tout ça? On a besoin de toi. Besoin de moi? Mais pourquoi? Pour que tu nous aides à sauver le monde. Et c'est très urgent, vraiment très urgent. Je savais que t'étais spéciale. Écoute-le et allons-y, on n'a plus de temps à perdre. Le monde est en danger. Il fait nuit, enfin. Je peux sortir à nouveau. Je dois m'occuper de tout. Oh, debout! Vous avez mon amulette? Et Grimbec a fait le fanfaron. Mais, oh, on l'avait presque. Mais le fanfaron est arrivé. Blé. Désolé, Consuela. Idiot. Qu'est-ce que c'est? Plus vite, allez! Plus vite! Elle arrive, dépêchez-vous! Bon, faites-moi confiance. Sorcière, tenez bon! Ok, Cathy, alors écoute, on ne pourra essayer qu'une seule fois seulement, tu comprends? Mets ton amulette dans le trou. Viens. Je suis de retour. Et je vais terminer ce que j'ai commencé. Aïe! Vous pensiez vraiment pouvoir faire mieux que moi? Une sorcière, ça! C'est un enfant, pas plus! Pourquoi tu es venu ici? Consuela, attrape! Roy, prends les amulettes et va les placer dans les trous. Allez, fais vite. Sale petit rat. Si forte que ça. Pas de temps à perdre, sorcière. Prenez vos places. Vite. Toi aussi, Cathy. La comète va toucher le soleil. Cathy, place ton amulette dans l'orifice. Concentre-toi. Tu peux le faire. Maintenant, tu en es une vraie. Une sorcière? Mais tu ne peux pas te servir de tes pouvoirs en public. Oui, tu dois être plus prudente, tu as compris? Quand les autres vont le savoir? Ça, c'est impossible. Tu ne peux en parler à personne. Il n'y a pas de sorcière pour le reste du monde. Il est quelle heure? On va rater le show. Ça, je ne crois pas. Allez, venez. Ça va aller, Cathy. On se revoit bientôt. Vas-y, fonce. D'accord, merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Viendra plus, j'en suis persuadé. Les enfants, s'il vous plaît, venez par ici. Hélas, je ne sais pas si Cathy vient danser avec nous. Donc, il faudra nous organiser autrement. Vera, tu crois que tu es prête pour jouer ce rôle? Oh, mais bien sûr, je suis toujours prête. Bon, alors Vera, c'est toi qui mènes la danse. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes tous une équipe. Allez, le spectacle va commencer dans exactement 3 toutes petites minutes. Ce rôle me revenait de droit, vous voyez? Cathy, tu es venue. Oui. J'étais sûre que tu ne viendrais plus. Est-ce qu'on est dans les temps? Oui, mais tu étais blessée. Oui, mais non.
Cathy est prête pour le spectacle. Oh, mais c'est absolument formidable. On doit se dépêcher et tout donner pour faire un spectacle formidable. Attention les enfants, Cathy est de retour et elle est en pleine forme. Vera, tu gardes ta place et Cathy sera la meneuse de... Je voudrais te parler après le spectacle. J'ai entendu des rumeurs pas très à ton avantage. Oh, mais allez, c'est parti, allons-y, hein. Vive la danse. Désolée d'être en retard, j'ai eu un petit problème. Tessa, Nick, venez, on s'en va. Vera, si tu pars maintenant, ne compte plus revenir ici. Oh. Allez, Vera. C'est cool, dansons ensemble. Oh, allez, je veux un vrai succès. Dansez bien. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce magnifique spectacle. Merci d'être venus si nombreux. Ça me touche énormément. Nous avons tellement travaillé. Alors, s'il vous plaît, veuillez applaudir les danseurs.